déplacé au Milan. Donc, j'ai constaté là, à travers la déclaration des fils de l'inspecteur Faveur, nous-mêmes comme avocat, comme cabinet d'avocat, c'est nous qui constituer pour défendre l'inspecteur Faveur et accompagner pourquoi pas jusqu'à la libération. Donc, nous ne pas trop long, mais sauf que j'ai une idée de ce qu'on fait, c'est continuer à dénoncer les conditions de détention prisonnière. Donc, un citoyen qui a 70, 75 ans, qui va même craquer une école, sous prétexte que l'État fait un appel ou bien on monte à l'île, la coupe dans la prison toujours. Et personne ne va jamais dire rien. Et le juge Merlin Bela, qui est sur le dossier, apparemment, pour ne jamais agir. Donc, nous-mêmes, comme avocats, qui défend l'inspecteur Faveur, nous dit juge Merlin Bela pour prendre responsabilité dans le cadre du dossier, ça, parce que les conditions sont pas bonnes. Il faut comprendre bien, l'inspecteur Faveur peut dévomir dans la prison. Il n'est pas bon même. Il vient porter le toilette sous les malades. L'eau, la boue, a peut faire vomir. On a vomi chaque jour. Mais il a libéré ça pour des raisons de conditions humanitaires. L'inspecteur Faveur n'est pas un dingue. Pour t'y m'aller rire pour job. Il y a une moto. Il y a des motos ça pour job. Moto ça a 10 ans. Il y a le Saint-Marc la Lavelle. Il y a le Bonaï va faire la li. Il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de chauffeur. Il y a une équipe de petits garçons qui quitte là pour pas travailler. C'est papa qui est espoir. Mes amis, nous-mêmes qui sommes en justice, nous-mêmes qui sommes autorité de carité, nous-mêmes qui jugent, prenons responsabilité parce que trois on a coupé dans la prison. Chaque monde qui vient de côté, chaque monde qui a pris les maîtres, même quand on est en prison, on a souffert. Si seulement tu as aidé, oui, moi-même comme avocat, m'a aidé. Mais nous-mêmes, tout comme acteurs de justice, il faut prendre responsabilité de tout. Il faut comprendre que si nous avons une famille, nous avons un petit, nous avons un frère, nous avons un soeur, nous avons réagi. L'homme qui est levé dans la prison, il n'a pas qu'à manger bien, il a payé des vomis, et puis il a 70 ans, il a 5, 6, 7 petits qui étaient dehors. Qui ça nous dit? Il faut faire justice dans l'autre gens. Nous-mêmes, comme avocat, nous annonçons que nous avons déposé une requête en levée des coups devant le juge d'instruction. Hein? Pour demander une libération provisoire pour l'inspecteur Faveur, parce que nous avons l'impression que si vous quittez le fait 10 ans pour prison, vous mourrez dans la prison. Elle dit pour nous, les gens haïtiens, ils sont en prison pour un châtiment, et puis pour la famille pour un châtiment, mais il faut comprendre, mes amis, vous avez conscience. Les citoyens pour un gang, les citoyens pour un bandit sont simples citoyens qui ont joué dans une bonne autorité, qui ont été vivants. Bon monde qui relève, malheureusement peut-être relève, il y avait toute chaise sous l'eau. C'est pas justice là, c'est inacceptable. C'est contre nature. Donc je dis à nous réunir à Timounio, nous faire point de presse ça, c'est pour mettre l'opinion nationale et internationale au courant que il y a un citoyen qui souffre en prison. Il est sur le point de mourir. Mon dernier diagnostic qu'on fait, dernier avec mon banan prison, on dit presque mourir. Son mon a vomi chaque jour dans la prison. La déshydraté. Depuis la déshydraté, il n'y a pas de bon de l'eau potable. Mourir. Mais Kounia là, est-ce qu'il y a un corps qu'on a fait? Mais qui s'en va dire visite de vous? Mais je suis quand même respect pour vous. Et vous connaissez moi, Emmanuel Rémy, toujours respecter tout juge. Même tu as souhaité que, après point de presse, parce que je connais pas le garder, ou prendre responsabilité et faire suivi pressé, pressé pour inspecter Faveur, parce que la situation prise au bout de l'île n'est pas bon. Merci beaucoup. Plateforme. Résistance pour la démocratie en Haïti. Conférence pour la presse. Saluer la presse parlée, écrite, télévisée et médias en ligne. Je ne dis pas, après plus de 3 mois, depuis comploté, marchand pays qui a assassiné le président Jovenel Moïse en de la Kaili, pays a tombé dans un véritable phénomène d'insécurité. Kishita, sous intention criminelle, a pour casser feuille, couvrir ça. Dans ce sens, les nous considérer rapport de CPJ, requête OPC, révélation quelques organisations droit moun, ak réquisitoire supplétif ancien commissaire Port-au-Prince, sous possible participation PM Ariel Henry dans l'assassinat président Jovenel Moïse, plateforme nan exige démission sans condition, pressé Ariel Henry dans tête primatia. Yon façon pour la justice rive tandel et arrêter tout l'autre suspect que clamé public dénoncé qui t'a sous gros protection Ariel Henry. Tant que
Félix Badiou, Rudolf Ja et John Joel Joseph. C'est peut-être ça, plateforme nan lancé yon gros marche pacifique jou kap mercredi 20 octobre là, bon 10h matin pour nan recevoir lettre démission Ariel Henry comme pas gen président. Même Jean-Pierre nan te dit monsieur Daniel Foot qu'elle paraît pour le remettre démission si peuple là exiger ça. Dans sens ça, n'a invité tout secteur dans vie nationale là pour venir porter coller avec nous dans un marche pacifique côté n'a démarré sous autoroute de Delma, Delma 60 al bout devant Primatia. Gen plusieurs autres branches cap sorti l'autre côté tankou Carrefour aéroport ak en Balali en bas lumière rouge cap sorti cité soleil cap sorti croix des bouquets et la trier. Vive Haïti, vive yon démocratie, yon seul peuple, yon seul nation. Merci. Non, pourquoi vous exigez une manifestation nationale? 20 octobre. Faut que nous suspendions crier disparité. C'est ça que fait. Marche ça que nous annonçons. Nous exigeons. Alors, nous demandons participation tout secteur dans la vie nationale. Parce que quelqu'un déjà nous pose des problèmes, il n'y a pas résoudre, il n'y a pas résoudre comme ça. Des fois, c'est chaque long secteur qui attaque lui et puis c'est laissé à lui prendre position par rapport au problème qui est là. Et sécurité globale qui a plongé la société aujourd'hui, hein? C'est nous tous ensemble, tout secteur qui pouvons mettre tête ensemble pour nous soutenir là-dedans. Et avant l'assassinat du président Jovenel, nous tous étions d'accord, tout haïtien était d'accord que le pays n'a pas dirigé. Mais je dis à nous, ouais, c'est le pire. La situation est beaucoup plus terrible. Maintenant, il faut que nous ayons une formule pour nous soutenir dans sa nuit aujourd'hui. C'est ça que fait, plateforme Plaforeda, nous prenons responsabilité, nous prenons l'initiative là pour inviter tout secteur dans la vie nationale là. Retrouvez-nous mercredi 20 octobre dans un marche pacifique qui a exigé démission sans condition PM Ariel Henry. PM Ariel Henry te fait confiance à M. Foot. Il te dit là toujours parce que la population n'a pas demandé de démissionner. Maintenant, je vous dis, nous-mêmes, nous faisons appel à la population pour rejoindre nous dans la marche pacifique là pour venir réclamer démission PM Henry. D'ailleurs, Ariel Henry a une suspicion sous lui dans l'assassinat du président défunt. Hein? Et il y a une invitation au commissaire gouvernement à Tébali. Au lieu de répondre à la question de la justice, il y a évoqué le commissaire gouvernement. Et il y a une suspicion pour la protéger de gros de co-intellectuels assassinat. Par exemple, Badjo, qui est dans le cabinet Ariel. Par exemple, et Paul Denis, qui Ariel, c'est vice-président Uniforce. Et Paul Denis, c'est président. Donc, etc. John Joel Joseph. Je vous dis en well, il m'a connu. Premièrement, Ariel m'a connu à SDP, mais il m'a connu toi, M. Uniteo, à travers et Josué Pierre-Louis, ou qui est secrétaire général Conseil des ministres. Et nous tous connaissons que c'est beau-frère John Joel Joseph, qui est un présumé assassin dans le mot Jovenel. Donc, pour toute raison, ça, nous exiger démission sans condition PM Ariel. Il n'y a pas rien à voir avec ça. Il dit même il craint pour sécurité de la nuit. Là, il dit tout, il va songer s'il était parlé à Badjo tellement il recevait appel. La presse, pas tribunal. PM, si il n'y a pas de tribunal, quand il a invité. Si besoin de la vie de tête, il va aller au tribunal, il va dire ça qu'on connaît. Mais ce n'est pas dans les médias. Par exemple, ou accusé pour une raison ou pour l'autre. La justice mando pour venir devant recours par les médias. Parce que les médias, bon, journaliste lui-même, c'est tendu, il fait commentaire, il fait analyse, mais pas une instance décisionnelle dans la question juridictionnelle. Donc ça veut dire si Père Mariel innocent, Père Mariel pas contre rien dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il est paisiblement pour l'accompagner de sécurité. Là, il y a une question de la justice. Et bien ça, la justice a déterminé. Est-ce que le coupable, est-ce que le pas coupable? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire coupable. Nous disons qu'il y a suspicion planée sous tête li, par rapport à relevé téléphonique Digicel, qui remet paquet à, par rapport à rapport DCPJ mettez dehors. Nous disons qu'il y a suspicion. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire tout, monsieur coupable. C'est la justice seulement qui a connu qui est coupable, qui n'est pas coupable.
D'accord, non, c'est... Cristalline UVFDP. Faut que nous suspendons crier disparité. C'est ça que fait. Marche ça que nous annoncer. Nous exigeons. Alors nous demandons participation tout secteur dans la vie nationale. Parce que quelqu'un déjà nous pense que problème qu'il résoudre, qu'il n'y a pas résoudre comme ça. Des fois, c'est chaque long secteur qui a attaqué lui et puis c'est laissé à lui prendre position par rapport au problème qui est là. Et sécurité globale qui a plongé la société aujourd'hui. Hein? C'est nous tous ensemble, tout secteur qui pouvons mettre tête ensemble pour nous soutenir là-dedans. Et avant l'assassinat du président Jovenel, nous tous étions d'accord, tout cas ici étaient d'accord que le pays n'a pas dirigé. Mais je dis à Noël, c'est le pire. La situation est beaucoup plus terrible. Maintenant, il faut que j'ai nos formules pour nous soutenir dans sa nuit aujourd'hui. C'est ça que fait, plateforme Plaforeda, nous prend responsabilité, nous prend initiative là pour inviter tout secteur dans la vie nationale là. Retrouvez-nous mercredi 20 octobre dans un marche pacifique qui a exigé démission sans condition PM Ariel Henry. PM Ariel Henry te fait confiance à M. Foot. Il te dit là toujours parce que la population n'a pas demandé de démissionner. Maintenant, je vous dis, nous-mêmes, nous faisons appel à la population pour rejoindre nous dans la marche pacifique là pour venir réclamer démission PM Henry. D'ailleurs, Ariel Henry a une suspicion sous lit dans l'assassinat du président défunt. Hein? Et il y a une invitation au commissaire gouvernement à Tébali. Au lieu de répondre à une question de la justice, il y a évoqué le commissaire gouvernement. Et il y a une suspicion pour la protéger de gros, de co-intellectuels assassinats. Par exemple, Badjo, qui est dans le cabinet Ariel. Par exemple, et Paul Denis, qui Ariel, c'est vice-président Uniforce. Et Paul Denis, c'est président. Donc, etc. John Joel Joseph. Je vous dis en ouen, il m'a connu, premièrement, Ariel m'a connu à SDP, mais il m'a connu, toi, M. Initeo, à travers et Josué Pierre-Louis, ou qui est secrétaire général du Conseil des ministres, et nous tous connaissons que c'est beau frère John Joel Joseph, qui est un présumé assassin dans le mot Jovenel. Donc, pour toute raison, ça, nous exigeons démission sans condition, PM Ariel. Il n'y a pas de rien avec ça, il dit même qu'il est craint pour la sécurité de la nuit là, il dit tout, il va songer s'il n'était pas allé abattre tellement qu'il recevait un appel tout ça. La presse, pas tribunal. PM n'a pas été pour la dire tribunal, quand il a invité. S'il a besoin de la vie de tête, il a pris le tribunal, il a pris le dit ça le connaît. Mais ce n'est pas dans les médias. Par exemple, ou accusé pour une raison ou pour l'autre. La justice mando pour venir devant recours par les médias. Parce que les médias, bon, journaliste lui-même, c'est tendu, il fait commentaire, il fait analyse. Mais par instance décisionnelle dans la question juridictionnelle. Donc ça veut dire si Père Mariel innocent, Père Mariel pas contre rien dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il est paisiblement pour l'accompagner de sécurité. Là, il y a une question de la justice. Et puis les salles, la justice a déterminé. Est-ce que le coupable, est-ce que le pas coupable? Nous-mêmes, nous ne sommes pas coupables. Nous disons qu'il y a suspicion planée sous tête li, par rapport à relevé téléphonique Digicel, Télémètre Paquet, par rapport à rapport DCPJ mettez dehors. Nous disons qu'il y a suspicion. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas dit que nous sommes coupables. C'est la justice seulement qui a connu qui est coupable, qui n'est pas coupable. D'accord, non, c'est. Cristalline UVFDP. Ok, c'est.